Elle espérait décrocher son premier titre mondial, mais c'est une nouvelle fois raté pour Sally Fitzgibbons, éliminée prématurément lors de la dernière étape du championnat du monde de surf qui se tient actuellement à Honolua Bay à Hawaï. Une défaite cruelle pour l'Australienne qui était en tête du classement avant d'aborder les ultimes vagues. Elle a été éliminée dès le deuxième tour par l'Hawaïenne Brisa Hennessy. Cette élimination devrait profiter à sa compatriote Tyler Wright, qualifiée pour les quarts de finale et en lice pour un deuxième titre mondial consécutif. Une place en finale suffit à l'Australienne pour rester reine de la discipline. Mais elle devra se méfier jusqu'au bout de ses rivales, à commencer par l'Américaine Courtney Conlogue. Le Maui Women's Pro est la dixième et ultime étape de ce championnat du monde qui est passé par les meilleurs spots de surf, les Landes en France, Cascais au Portugal, la Californie, les Fidji, Rio de Janeiro et bien sûr l'Australie.